Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 16 février 2024, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, a organisé la cérémonie d'investiture de son nouveau secrétaire général national en la personne de M. Sié Kambou, dit général Bon. Le collège des anciens secrétaires généraux de la FESI est heureux d'appeler le camarade nouvellement élu par le Congrès statutaire. Je voudrais donc appeler le camarade Sié Kambou. Il est simplement le chef dans le nom. Je voudrais appeler tous les camarades FG, camarades Dieu, camarades Venez. Ensemble, nous allons, avec la marraine bien sûr, investir le camarade Kambou. Au nom donc de l'ensemble des collèges. Une fois. Bon. Deux fois. Bon, la deuxième fois. Bon. Je voudrais, pour achever cette cérémonie, officiellement remettre les statuts et règlements intérieurs renouvelés de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire au camarade secrétaire général Sié Kambou. Les statuts et le règlement intérieur sont notre constitution. Je voudrais te donner ces statuts, en faire le gardien, les appliquer, extraire leur intelligence et leur esprit, parce que la loi, elle n'est pas seulement une règle, mais elle a un esprit. Camarade Sié, pour les deux prochaines années, et si possible, par la grâce de Dieu, puisque les statuts l'indiquent, pour un autre mandat supplémentaire, nous te confions cette organisation et nous souhaitons que tu en fasses l'une des plus grandes organisations de notre sous-région et de notre continent. Merci beaucoup, camarade. Et je sais que tu en es capable. C'est notre mandat sous le sceau du retour aux fondamentaux et surtout gestion participative et efficiente de l'école ivoirienne. Nous sommes engagés, nous avons pris l'engagement devant l'histoire de défendre vos intérêts. Tant que l'école va rencontrer des difficultés, la FESI ne dormira point. C'est un engagement et nous ferons tout pour y arriver. Car quelqu'un a dit à chaque génération sa mission, l'accomplit ou la trahit. Nous avons décidé d'accomplir la nôtre et nous ferons tout ce qu'il y a à faire pour accomplir la nôtre. Très bientôt, pour ne pas dire demain, nous aurons la formation du bureau exécutif national de la FESI au ministre de l'enseignement supérieur. Après la formation de notre bureau, nous lui présenterons notre première plateforme de revendication, car c'est ça notre mission. Je vous remercie, que Dieu bénisse l'école ivoirienne.